nouvelle vidéo. Alors suite à ma vidéo Free Jump où je vous avais présenté un petit peu mon airbag, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo crash test airbag où vous me voyez gonfler l'airbag et essayer des choses. Il faut savoir que je suis pas encore tombée avec l'airbag, donc moi non plus je sais pas ce que ça fait quand il est gonflé. Et Edition va faire la vidéo avec moi, mais je vais pas me jeter d'édition. Donc pour ceux qui voulaient me voir tomber, bah c'est raté. Déjà, le gilet, il faut se sentir bien pour monter avec, parce que moi je le mets tous les jours et en compétition. Ma première crainte en achetant un airbag, bah, c'est d'oublier de me décrocher en descendant. Donc vous inquiétez pas, ça m'est arrivé quelques fois de descendre sans me décrocher. Et vous allez voir que si on descend doucement, ça se dégonfle pas. Trois, deux, un... C'est ce qui fait plus peur en vrai, c'est juste... On peut te regarder sa petite tête. Bah oui, il se dit, mais qu'est-ce qu'il a? Ce qu'il a eu peur, c'est parce qu'on a crié, c'est pas quand tu as explosé. Ça fait trop bizarre. Ça pète super vite, hein. L'airbag, bien sûr, faut qu'il se déclenche. Donc là, il s'est déclenché. Et puis, bah, il faut qu'il nous protège. L'airbag, ça fait 5 minutes qu'il est pété. Là, il est quasiment revenu à sa forme normale. Il est quasiment dégonflé. Ce qui est pratique parce que quand on est au paddock et qu'on a pété son airbag, s'il faut attendre une demi-heure pour comme ça pour qu'il se dégonfle, bah après on peut pas vraiment aller sur son tour quoi. Donc là, du coup, on va se faire plaisir. On va repéter une deuxième cartouche pour faire le test. Donc, une fois que la cartouche elle a pété, bah faut la remplacer. Vous allez voir, c'est assez facile. Donc, on dévisse la cartouche qui a été pétée. Maintenant, on insère la petite vis en bas. On enfonce bien avec la clé Allen. On remonte le petit cache rouge. On va mettre la petite bille qui est au bout du galon. Et on redescend le cache rouge. On redescend la vis. Une fois qu'on a retiré la vis, il faut remonter le capuchon rouge. Et enfin, bien sûr, on va remettre la nouvelle cartouche. Donc là, du coup, je fais passer ça dans le trou. Donc là, je reclique. Et on va remettre les poppers. Donc c'est reparti pour un tour, on va voir si Edison s'habitue au bruit ou pas. 3, 2, 1. Voilà, et on caresse le pouns. Très bien. Ok, dépêche-toi, viens t'allonger ici. Maintenant, on va tester si Edison, il peut marcher dessus. Bon, ma maman elle fait quand même pas 350 kg, mais bon, même pas mal. Testé et approuvé.
j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis quand vous achetez un airbag, faites-vous bien conseiller. Et puis quand vous en avez un, n'oubliez pas de prendre la cartouche de rechange dans le sac des gourmets. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo et moi je fais tous de gros gros bisous. Ok, t'es prête? Regarde la caméra. 3, 2, 1. Ça va. Il est hyper dur, je pense. Ça y va? Ok, replace-toi, Zoé. C'est comme ça. Mais t'es tous rouges, ça va aller. 3, 2, 1. Hyper dur en vrai, hein. Non mais attends, mais ça a été bon, on va en galérer, tu vas voir. Tu sais ce qui fait plus peur en vrai, c'est juste... En fait, regarde sa petite tête. En fait, c'est ce qu'il a eu peur, c'est parce que quand elle a crié, c'est pas quand elle s'est explosé. Ça fait trop bizarre. Je suis pas très centrée, votre truc. Allez, 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 allez. Mais non, mais faut que tu montes là-haut, sur la poutre. Quoi? Bah oui. Faut que tu sautes d'un peu haut, hein, sinon... Je... Oui, mais là-haut, là, sur la poutre. Mais c'est trop dégonflé, là. Allez, 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 non, non, non. C'est trop dégonflé. Allez, allez. Mais comment tu veux que j'arrive là-haut? Bouge-toi. Mais comment tu veux... Allez, Zoé. Mais comment tu veux que j'arrive? Zoé, dépêche-toi. Allez, trouve la solution. Allez. Mais le truc, il est complètement dégonflé. Mais non, mais non. Et là, je vais tomber sur le sol. Allez.